mais qui n'a jamais péché et qui ne s'est jamais trompé. Oui, nous nous sommes trompés. Je le confesse et je l'admets. En cette période pascale, le Saint-Esprit habite décidément au Gabon. Ceux qui doutaient encore de la résurrection du Gabon ont vécu un nouveau miracle. Non pas la nouvelle transformation de l'eau en vin, mais celui d'un Zaché des temps modernes qui a rencontré le Seigneur à la salle polyvalente de l'hôtel Triomphal de Libreville au Gabon le mardi 19 mars pour dire à ceux qui font de l'évangile de Luc rapporter les faits historiques de la transformation du monde contemporain, les journalistes, qu'ils souhaitent participer activement à la construction d'un nouvel idéal social au Gabon. Ma déclaration politique de ce jour s'inscrit dans cet esprit et dans cette dynamique de restauration des institutions de notre pays et de la dignité du peuple gabonais. Le Saint-Esprit est descendu dans le cœur et le corps de l'ancien Premier ministre gabonais, Julien Kogé Bekali, et donc celui que le Seigneur a choisi à la veille de cette Pascale pour être le nouveau converti. L'ancien chef du gouvernement gabonais a d'abord, comme tout born again, né de nouveau, dit cette prière de repentance « Je confesse à Dieu Tout-Puissant » et devant ses frères journalistes, il a reconnu avoir péché devant et derrière par le passé. Et en tant que croyant, je fais repentance et sollicite le pardon et l'indulgence aux Gabonaises et aux Gabonais pour les erreurs commises et pour les positions controversées que j'ai pu défendre dans le passé. Je saisis l'occasion de cette tribune pour saluer toutes celles et tous ceux qui ont contribué, activement ou passivement, anonymement ou visiblement, à l'avènement de cette période de transition que nous vivons. Après une telle repentance sans pénitence, on peut demander à ces témoins qui étaient dans la salle ce jour-là, qui de vous n'a jamais péché, qui lève la main et lui jette la première pierre. Julien Kogé-Bekali, Irak de ses partis. Juriste par ailleurs, nous l'avons bien compris avec la télévision, je vous le CV. Comment est-ce que vous analysez ça, le nouveau directoire et les démissions en cascade suite à cette manière de faire? Le haut commis de l'État gabonais a fait preuve d'humilité et de grandeur d'esprit en acceptant de reconnaître que dans l'Ancien Testament du Gabon, le peuple n'avait pas été conduit à la terre promise de l'émergence. Voyant sous Ali Bongo la promesse de l'émergence qui était devenue la déchéance et pour la mémoire collective, un vrai abus de confiance. Julien Kogé Bekali, lui-même autrefois dans le rôle d'Aaron premier ministre de Moïse, a préféré regarder vers l'avenir et jeter sa soutane gallicane qui lui collait au corps devant les professionnels des médias. La période institutionnelle transitoire que nous vivons présentement exige un processus sans faux fuyant de refondation et de réajustement des règles d'organisation de notre vivre ensemble sur des standards élevés à définir à partir d'une vision commune de l'avenir. C'est donc un vrai homme d'État qui assume les promesses non tenues, la faute à trop de dépenses dans les ambiances qui finissaient pour la plupart dans la jouissance et donc certains revenaient faire de l'auto-récompense dans les finances publiques. Que certains choix politiques et économiques, voire certains investissements publics de cette période de gouvernance n'étaient pas tous ni rationnels ni judicieux. L'ancien chef du gouvernement gabonais a pris le temps d'énumérer le chapelet des ratés du temps des autres. Dans un moment historique de l'histoire de son pays, il ne veut pas rater le cas qui part pour un nouveau départ. Conduit par Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition chef de l'État gabonais, et de Raymond Donsima, premier ministre de la transition. En 6 mois, il me semble prématuré de juger la transition. Cependant, force est de reconnaître que les orientations, les initiatives, les décisions et les actions du CTRI et du gouvernement vont dans le bon sens, ce qui peut augurer des lendemains meilleurs.
L'idéal social du nouveau Gabon, c'est un Gabon uni et indivisible. Un Gabon prospère qui brille sous le feu de la lumière et de la croissance économique. Un Gabon qui retrouve sa place d'Eldorado de l'Afrique centrale. Un Gabon des enfants bénis depuis le sein de leur mère sans que leur père ne vienne mettre leur bouche. Julien Kogé-Bekali a pris le temps de lire son Nouveau Testament de 36 chapitres, dont celui de la suppression du poste qu'il a occupé lui-même. Je suis pour un régime institutionnel fort, présidentiel, avec un président élu en ticket et un vice-président. Je suis pour la suppression de la fonction de Premier ministre. Tout le monde sait que ça ne sert à rien dans notre pays, être Premier ministre. Aux trois premiers pouvoirs, on ajouterait trois autres pouvoirs. Le pouvoir militaire, le pouvoir local et le pouvoir médiatique. Un poste de Premier ministre qui disparaît selon l'ex-Premier ministre, certains pourraient lui dire qu'après avoir traversé la rivière, il casse le pont. Mais un homme averti qui se présente aujourd'hui comme le vieux sage qui voit étant assis ce que la jeunesse, même perchée dans un immeuble, ne peut voir. L'ancien Premier ministre est donc un Gabonais résolu à aller plus loin et qu'il veut dire à tout le peuple gabonais qu'il peut compter sur lui pour une transition réussie et pour un Gabon meilleur qu'aujourd'hui.